côté de pour rencontrer la commission financière sur des contrats, notamment des contrats qui sont acheminés à la cour et qui sont retenus. Oui, monsieur le conseiller. Oui, technique. Oui, bon, technique, est-ce que ça t'a dit, c'est n'a pas gagné des questions budgétaires ou bien pas respecté la procédure? C'est pas fait, non, c'est fait une autorité pour la procédure. Ok? Regarde. 2015, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018. Président, nous avons saisi le rapport Petro-Caribéen que le bureau et le Sénat ont transféré et écrit le président pour demander une copie. Comment ça a été? Ben justement, le Sénat fait un commande auprès de la Cour des comptes qui est entré dans la compétence et ça a demandé de nous entrer dans l'attribution constitutionnelle. Justement, la Petro-Caribéen. Mais nous, au Sénat, ça veut dire que nous estimons compétents pour traiter de ça. Mais bien sûr. Le président nous a été déjà. Combien de rapports avec ça nous demande, parce que la Cour est capable de saisir automatiquement le Sénat demande pour nous travailler pour lui pour nous donner ça. C'est une résolution qui a été prise par le Sénat. Quoi estime que l'important étant de réclamer le copie ça. D'accord. Mais c'est ça nous dit la Cour de déjà travaille déjà. Bien sûr. Qui ça nous va le faire? Est-ce que nous allons le. Nous allons approfondir le travail. Nous allons faire. Le pays est beaucoup plus là, 2008 à septembre 2016. Mais combien de temps t'as joué? C'est une commission qui va constituer pour travailler. D'accord. Le même temps qu'il va le dire, conseil là, on peut travailler ça, il va aller chez le médecin, une période de temps, tellement, même deux mois ou bien une année, on ne sait pas encore. Est-ce que la Cour peut commencer à zéro en fait blanche ou du moins s'il va le puiser dans deux rapports? Ça va dépendre techniquement de la commission. Mais quand même, par rapport avec Jean Bossier à présent, le médiateur va sur lui déjà, mais t'as droit gagner et appuyer des supports des experts internationaux. Possible? Oui. La Cour est capable de courir à des ressources externes. Au niveau pays en général, il y a une sorte de plainte générale côté que ensemble des projets qui viennent dans la Cour des comptes, eh bien, la population a souffert. Il y a des projets qui des budgets 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018. Alors, il n'est pas normal pour que vous ayez un projet qui est dans l'exercice 2015, 2017 pour que je vous dise que ça pour vous exécuter. Alors que l'on peut payer de manière globale, eh bien, il y a des quantités de besoins pays à gagner. Donc, le pays n'a pas obligé à souffrir sous question ça. Ça fait techniquement, nous te chitons ensemble avec eux, nous discutons avec eux pour nous voir qui ça a gagné comme problème qui fait que. L'État ça a accumulé de manière considérable. Vous parlez de firme, est-ce que c'est légal qui nous parle légal ou pas respecter les procédures? Oui, moi, là, même si on firme pas respecter une procédure, je pense que l'État supposé un temps qui n'est pas trop long qui peut permettre que l'État vote par avion et puis de manière rapide, si les corrections sont faites au niveau des firmes pour correction à faire. Donc, c'est dans ce sens-là, nous déchirons avec eux pour voir qui ça a gagné comme instrument, donc parler d'instruments, des outils légaux qui peuvent permettre que, eh bien, tant ou bien si c'est problème personnel ou bien pour que augmenter le nombre de personnel parce que c'est un pays ou bien un monde, pays à pas attendre. Et le gars de par exemple souvent ensemble des départements qui a subi des catastrophes en catastrophe, ou à voter budget sous budget, et que ouais, en réalité le projet n'est pas réalisé, côté pour être réalisé. Et pour raison ça, nous nous discutons sur un compte qui sont très fructueuse, qui fait entre nous-mêmes. Nous pensons à partir de moment ça, nous allons agiter ensemble pour nous corriger ça. Vous demandez là pour lever même les sénateurs? C'est pas lever même. Parce que si quelqu'un peut imaginer par exemple, ou bien projet pour exécuter par exemple dans en commune. Et que c'est un problème qui pose. Depuis que nous arrivons dans la 50e main, nous pouvons dire clair comme député, nous ne pouvons pas rentrer dans projet fonds communaux. Et ça fait que, sous la transition, pas que nous avons un monde qui était déposé sous fonds communaux pour que le projet soit fait dans la commune, dans la section communale. Et dans le budget 16-17, qui est un budget rectificatif, tout simplement, la commission budget, la chaîne Nathé Gourmet,
nous mettons un petit paiement qui est 2700 gouttes pour que vous petit bagage qui fait la commune sous fond et communal là parce que bah, la terrivé grave pour deux années, pas grand rien qui fait. Mais tout, nous sommes dans la finance là, nous essayons un article qui dit que nous avons écrit le projet et a déposé le projet, mais l'article là nous dit député circonscription qui doit vérifier ou bien approuver le projet que le magistrat a déposé. Tout simplement c'est ça. Mais voilà que gagné depuis semaine passée, gagné une campagne qui a fait dans la presse, qui fait comprendre que c'est député qui bloque le ministre Aviol, ou bien c'est député le ministre Aviol tendait seulement les patrons de magistrats. Moi-même, comme député et circonscription terrienne, et à notre foi, nous n'avons jamais intervenu dans la question projet fonds communaux parce que notre urgence, celle 17 là, c'est magistrat qui gagne tout droit pour être capable de faire finir le projet pour eux, mais député à qui gagne pouvoir de contrôle supposé approuver le projet. Et ça qui fait que la planification du projet que le magistrat a déposé, qui selon la finance là, qui était écrit son roi, il n'a pas passé outre de ça. Et il demande faut que le député a lui-même approuvé. Le problème qui gagne au niveau de l'environnement pays, après la connaissance, c'est que dernier même qui a parlé de un pichon qui prend sous sorbo, ça veut dire petit, côté sorti de la connaissance. Au commencement, c'était un paille noir qui prend du riz, la tibonite, mais la crête, mais pour du variété, ça presque perdu. Et je dis, nous, citrusio attaqué, nous, et que, et cocotier, tout, attaqué. Donc, nous te prenons nouvelle ça à travers les ordres et moi-même à travers la commission. Nous devons faire visite au niveau de l'Eugane et ce n'est pas simplement la commune de l'Eugane, il y a plusieurs autres communes qui ont subi même comme ça. Et nous connaissons que de l'Eugane qui parle ça sur la zone de l'Eugane. Eh bien, c'est une maladie, une cochenille mortelle des cocotiers et il y a nos certificats, c'est Aspidiotus destructor. Donc, au fond, c'est combattre ou combattre cochenille ça, qui, lorsque le prend ses membres avec le conseil de bagarre, il fait feuille à vigne tout noir et feuille à vigne tomber. Or, lorsque nous prenons feuille aux plantes, c'est chaudière plante-là, c'est laboratoire plante-là, parce que plante-là pour manger, c'est photosynthèse qui fait sous feuille-là, à travers le soleil qui est fixé, et feuille-là lui-même est transformé. Manger pour que le plante capable d'utiliser, pour que le capable développer, pour que le capable produire. Donc, une fois que le plante perd du feuille, c'est même si le plante ça n'a pas existé encore parce que le plante arrive à produire. Quand même, au niveau de la commission agriculture, nous devons des mesures que nous allons prendre, côté que nous allons accompagner nos maisons, par exemple, nous sommes parlé avec Adam Gaï Alliance, côté que nous avons besoin de insecticides, nous avons besoin aussi de pompes d'aspiration. Pour qu'elle soit capable de lutter contre le cochon ça. Et comme nous sommes fait le devoir, accompagner la mesure qu'elle est capable, pour nous voir si nous sommes capables de contrecarrer le cochon ça, pour que nous réduisions l'effet qu'elle doit faire. Et après, maladie ça, lorsque nous tombe sur le cocotier, c'est même avec sida, c'est-à-dire pas de chance pour le plan du tout. C'est à, d'abord, et de débrancher toute feuille qui n'est pas le plan, abattre le plan qui attaque, en façon que pour ne pas gagner espèce sur le plan qui ne peut pas attaquer. Et pendant que nous allons utiliser des produits et des insecticides à l'aspect, ou du moins encore, ça veut dire un produit systémique qui est capable d'entrer dans le même serve que le plant a utilisé pour que nous soyons capables de contrecarrer une maladie ça sur le continent dans le pays. Comme citoyen, comme journaliste de métier, de profession, mais comme député en fonction face à disparition de journaliste photographe Vladimir Legagneur. Moi, exprime inquiétude ça, puisque c'est révoltant au 21e siècle, c'est révoltant dans un état de droit, dans une démocratie,
pour n'a pas déploré qu'un journaliste l'ait porté disparu dans des conditions qui pas capable d'élucider et dans le moment n'a pas exprimé nous là, mais malheureusement pas en mesure ni en situation pour nous confirmer ni infirmer est-ce que journaliste là l'y envie ou pas. Mais nous révoltés parce que nous avons un état de droit, nous avons une démocratie, nous révoltés, nous avons un pays côté qui gagnait un gouvernement et gagnait des responsables. C'est quand même au plus haut sommet de l'État, lorsque gagnait de tels cas, soit de kidnapping, soit de violence, soit de disparition, dans la façon que nous avons observé là, qui t'a droit par des explications. Nous partager toute douleur, toute amertume avec la presse jeudi à t'as cherché un militant, un photographe et milieu médiatique là qui c'est Vladimir et les gagnants. Nous connaît presse là en souffrance. Il y a tant de décisions pour voir publique. Et puis parents, famille, monsieur, nous entendons qui j'ai madame avec famille, monsieur, et à chercher monsieur. On partage douleur, souffrance avec amertume la presse par rapport Jodia et chercher à chercher un journaliste et journaliste Vladimir Le Gagnant qui c'est un journaliste photographe. Nous profiter Jodia pour nous dire la police. Même gens yo t'a cherché ou Jacout là. Yo pas quitté un jour n'est passé pour joindre ou Jacout là. Mais je dis à la nous pour dossier Vladimir Le Gagnant. Nous pas tendre un silence total dans milieu politique ou bien dans la police je dis à. Pour qui ça un journaliste c'est pas un monde qui travaille peut-être lui c'est un monde qui travaille pour communauté a. Et nous connaît précarité qui gagne la question salaire dans média dans militant média yo. Situation difficile, journaliste à travailler là-dedans, question insécurité à même champ avec nous dans le secteur droits humains. Quand il y a là, je dis à un monde qui est utile, communauté à je dis à chercher comme ça, nous avons pouvoir public, tant que l'appareil judiciaire là, monde qui l'a pour faire enquête, nous fait silence sur question ça. Nous-mêmes, nous demandons pour assumer responsabilité pour permettre journaliste là rentrer la caille pour faire la lumière sur journaliste là. Nous demandons pour DCPJ déployer tout. Nous, tout enquêteur, pour mener un dossier ça, et plus tout acteur politique, ne pas faire silence autour de disparition de journalistes. Parce que je dis à la, si vous faites silence ou disparition de journalistes, moi-même qui n'ai pas droit humain, l'autre monde qui n'a pas acteur politique, c'est comme si la vie n'a pas gagné aucune importance dans le pays. Nous demandons pour acteur politique, acteur dans le milieu judiciaire, là, que ce soit la police, commissaire gouvernement, pour assumer responsabilité dans le dossier journaliste là. Nous demandons tout pour la presse qui te fait même bagaille sous dossier ou Jacout là. Je dis à pour mettre alerte tout partout, quel que soit ce grand ravine ou bien quel que soit notre côté là, pour qu'à jouer le journaliste là en vie pour retourner vite faire travailler parce que les journalistes là sont journalistes qui sont engagés. Le fait que nos zones difficiles dans le grand ravine, ils décident d'aller pour faire un reportage qui est capable de servir la communauté haïtienne. Je dis à m'pense que c'est une fois pour toutes, le moment pour tout le monde solidaire avec la famille journaliste là, avec la presse, je dis à qui est en douleur par rapport à la disparition et journaliste là. Toute autorité, ensemble avec les organisations de défense des droits humains, avec instances locales et internationales, pour nous dire. Faut bien des gens en tête qui ouvrent pour nous connaître, pour tout journaliste dans le pays à connaître, et plus particulièrement famille Vladimir Le Gagnant pour nous connaître qui côté journaliste a passé. Nous trouvons grave pour un journaliste qui a donné à couvrir toute qualité de sujet dans le pays, qui chaque jour, et puis pour nous la ZAM, ou bien individu quelconque qui arrive, qui est bien séquestré. Et faire quoi que ce soit pour arriver à retourner à la caille. Mais déplorer ça qui passe là, le groupement journaliste et porteur, nous connaissons, il faut
une enquête sérieuse qui nous veut pour nous joindre trace Vlad. Pour nous joindre Vladimir Legalier, seul chef. Et si toutefois, nous n'avons pas arrivé à joindre camarade là, faut la police, avec la justice, interpeller tout le monde qui est capable d'impliquer de près ou de loin la disparition du journaliste là, et pour venir devant le tribunal avant, pour dire qui s'acquitte notre tête, qui est source de motivation, qui est caché dans un acte comme ça, et pour sanctionner le pire niveau. Disparaître depuis mercredi 14 mars. La police touchait de ça à travers des CPJ deux jours après. La police va à la conférence de presse, il n'a pas parlé de ça. De CPJ va annoncer même enquête. Il y a une assurance que nous avons un Vlad qui sortit depuis 14 mars. Nous avons un problème encore côté information à véhiculer tout partout. Parlement va dire rien. Exécutif va dire rien. Pouvoir judiciaire va dire rien. Pendant ce temps, journalistes ont servi tout le monde. Ils ont fait tout le service. Bon, c'est un journaliste qui est important dans les yeux, toute autorité, parce que c'est les journalistes qui mettent l'autorité sur le pouvoir. C'est à travers les journalistes qui ont passé pour faire capital politique, pour monter côté de l'église. Donc, moi-même, je souhaite que l'autorité judiciaire mène une enquête pour jouer une trace là. Quitte les morts, quitte les vivants, pour jouer côté de la passé. Moi-même, je me sens frappé de coup ça, que presse la prend, journalisation haïtienne, pour que j'en me cacle. Sous disparition journaliste. Donc aujourd'hui, là, c'est pas question de presse là seulement. Donc c'est une question de tout haïtien en général, pour ne pas dire le monde entier. Parce que nous la presse, c'est lui que là, pour arriver côté que nous-mêmes ne pas arriver. Nous demandons, ministre de justice là, commissaire du gouvernement, et DCPJ, qui c'est direction centrale police judiciaire, nous bien comprendre que de tel temps au courant de disparition journaliste là, et pendant ce temps nous-mêmes, d'après ça, nous avons dans la radio DCPJ pour qu'on fasse un sérieux que pour joindre qui côté journaliste là. Parmi eux, nous perdons Jean-Dominique. Nous perdons Briel Lindor, nous perdons Jacques Roche, nous perdons Félix Lamy, et nous perdons en plus. Chaque le yore le même pour venir témoigner de ça qu'on connaît des journalistes qui ont assassiné, toujours des gens qui campent en croix. Et dans le cas de dossier journaliste ça, qui disparaît tout récemment là, nous-mêmes sociétés victimes coopératives, nous connaissons qui supportent. Que presse la bano, pour ça lui fait nous mal juste dans le dos. Madame Mouin Mouri, qui était un policier, bim, c'était 31 octobre 2017. Madame Mouin Mouri, dans l'exercice fonctionne. Elle mourit pendant qu'elle a quitté la Kaili, un matin pour venir travailler. Il quitte trois timons. Vous êtes savoir venir avec eux là, il quitte trois timons, ils ont 6 ans, 4 ans, 2 ans. Depuis 2 mois, chèque est coupé dans la police. Égal, il pas pensé à timon, il quitte trois timons, comment vous manger, comment l'exercice fonctionne. L'emballe est responsable. Il dit c'est chèque zombie, chèque mort, il va aller dans l'État. Je comprends, nous avons compris, nous avons coupé son mois, mais dans l'autre rubrique, il y a trois timons en bas âge, 6 ans, 4 ans, 2 ans, mais qui sait quand on l'autre côté, il dit, mon cher Baye, ça a campé. S'il a fait ça encore, il a informé. Jusqu'à présent,
depuis deux mois, chèque l'an coupé, et puis, bah, une pièce de formation s'arrête là. En plus, madame moi mouri un exercice fonctionnel qui t'a dû un funérailles national un policier mouri un exercice fonctionnel. Mais c'est moi qui fait funérailles là payer. Me payer fait funérailles là côté facture ça après enterrement. Me ba li administration la police pour remboursement. Depuis là m'a parlé avec nous hein. Donc comme madame moi était mouri en octobre enterrement fait en novembre. À nos jours beaucoup jeune en goutte dans corps funérailles côté où tu as supposé bon moi dans l'administration yo dit mes dossiers mais ça me porter me pour toute bagarre OK mais jusqu'à présent pas la voilà en dollars au contraire me dit bah me dit bon de même pas là responsable me dit bon toi ti monde c'est une bombe ça m'a joindre ni m'ba ti monde yo manger m'a venir yo peut-être me régler l'autre cause mais m'pas besoin ba mon temps dépenser hein. Montant, tel montant, je dis, je ne vais pas payer tout montant, c'est tel montant assurance bail. Je vais me dire, tel montant assurance bail, je vais restituer cette assurance bail. Mais je ne suis pas là, voilà, pas rien suivi. Faire des conférences trimestrielles et ça c'est une conférence nous fait régulièrement moi ça nous fait le sous cancer mais je dis à son jour spécial pour nous dans PHI parce que ça fait exactement 5 ans depuis nous avons fondé PHI qui le dit priorité santé internationale aux États-Unis donc nous profiter nous parler de un sujet qui vraiment intéresse tout le monde qui c'est cancer mais nous profiter tout amuser nous avons des monde qui chantait monde qui dansait pour nous. Et c'est extraordinaire. Et nous avons commencé pendant que nous étions aux États-Unis, nous voyageons ici régulièrement et chaque homme vient me faire 2-3 jours. Après ça, nous venons ouvrir une clinique dans la rue de Bussy. Nous faisons 3 ans dans la rue de Bussy. Et depuis décembre 2000, et nous avons dit que PHI commençait à toucher en pile vie. Côté nous, pour le travail, le domaine d'activité, nous disons que c'est ça que les médecines fonctionnelles. Médecine fonctionnelle, c'est une approche de la médecine qui intéresse la cause maladie chronique yo, au lieu que le traiter seulement symptômes. Yo. Et ça fait que l'on nous suivre avec nous, l'on utilise l'approche médecine fonctionnelle, la maladie chronique yo, ou qui arrive inversée. Yo. Par exemple, un monde qui a un diabète, un monde qui a une hypertension, un monde qui a un cholestérol, un monde qui est obèse. Et je dis à nous que il y a un monde qui a un cancer. Eh bien, avec des approches naturelles, vous arrivez à soulager les gens. Et pour des maladies, vous pouvez même arriver à inverser. Ça veut dire maladies que vous ne croyez pas guérir. Vous arrivez à pratiquement les gens n'ont pas gagné encore. C'est le cas de quelques personnes qui gagnent, qui étaient sous insuline, qui ont pris un médicament pour sucre. Eh bien, je dis, ils n'ont pas besoin de prendre encore. Donc, c'est une approche qui est allée sous cause. Et cause, vous jouez dans l'habitude de vivre avec l'environnement. Les relations entre les parties et ses différents élus
Nous n'avons pas été toujours en parfaite sérieuse, en parfaite harmonie. Nous en sommes conscients que les faits réciproques méritent d'être consentis en vue de réhumaniser le parti et le placer sur la voie de la modernité. Comme parlementaire, comment pouvons-nous nous réclamer du guide si nous n'avons jamais concerté avec le parti sur nos différentes prises de position ou sur un comportement à adopter lors de vote au Parlement? Ainsi, si nous voulons du guide, un parti moderne et notre position autour de quatre grandes considérations. Celle relative aux intérêts de l'État, celle relative aux intérêts du pays, celle relative aux intérêts du parti et celle relative à l'état des intérêts. De par son idéologie, le kit n'a jamais été ni un parti de l'opposition stérile, ni un parti de collaboration servile. En ce sens, chacun de nous doit agir pour permettre au parti de rétablir son équilibre et nous devons aussi profiter de ce qu'on nous aime pour lancer la campagne d'élection de nouvelles têtes au sein du parti et particulièrement l'éducation des jeunes. Je ne veux nullement terminer mon émotion sans remercier le directeur du parti d'avoir voulu non seulement m'associer, mais aussi à mon intégration au sein de l'équipe dirigeante du KIM. Je formule vivement le vœu de s'assurer afin de faciliter un meilleur rapprochement vers la population. Collectivité à bout, Capel Magistrat Communal, Kazek, Azek, n'ont pas du pouvoir ni moyen pour le prendre de vos populations. Même délégué à 10 délégués qui ne présentaient le pouvoir exécutif aux amis. Bilan fait nos souffrances. Dans notre situation, malade qui a abandonné la vie toute confiée dans la cour hôpital générale, malgré un plus effort autorisé la santé. Je voulais signaler le problème d'hygiène publique, ma chaîne qui a venu sous papier, assiette qui est à fourchette plastique, le ramasser nos poubelles, l'utiliser pour manger. Nous voulons souligner pour l'aide aux services publics, dont vous avez fouillé les déchets qui sont sur ma chaîne, qui a cherché la vie. Vous avez fait la masse de bœuf, chien qui a coché la vie, chez nous, qui a gardé soif de l'éthique, là, qui a mangé le quotidien. Trois étudiants, quatre facultés dans l'université de Paris fermées à cause de chirurgie entre les professeurs et étudiants. Bilan va nous exister, mais nous va vivre. Bilan du faible, nous faisons vivre. Plus, nous parlons pour acheter des sous, pour nous rendre vitamines, c'est plus. Nous décidons de transformer en force. Parce que nous conscients, c'est que nous sommes comme parti politique, qui est jamais sous l'état de là-bas, contaminé de l'IA qui n'en est là, défoncer le peuple qui est là-bas. Mes amis, Haïti comme le défi. Nous devons tomber le défi de l'esclavage. Nous devons tomber le défi de l'occupation. Nous devons tomber le défi dictatif.
toute saison parmi nous. Depuis le dia, c'est chômage. Problème de santé, problème de manger, problème de logement, problème de transportation, problème d'éducation, problème de justice, problème de sécurité, problème de la vie en prison, problème de recrutement à l'hôpital, problème de professeur qui va toucher, problème de corruption, problème de division, problème d'identité nous comme peuple. Nous nous réviser parce que nous avons su grâce à la signe dans le pouvoir caillou. Problème de corruption, problème d'inflation, problème de déficit commercial. Quatre solutions pour le bien vivre ensemble. Il y a le problème tout effort, tout secteur privé, pouvoir, opposition, entrepreneur, l'église, secteur nouveau, à travers la loi, à travers la KNDA, syndical, artiste, sportif, journaliste. Il y a un endroit où c'est moins précieux pour ça. L'occasion d'une deuxième anniversaire existence libre, jeudi samedi 24 mars 2018, notre prix sera porte de presse en présence toute autorité à invité qui est une à l'Italie. Parti Convention Unité Démocratique la KID déclaré 1. KID adopté le nouveau plan pour la tête du Jarret pour défendre contre la KIDO. 2. KID a fait l'effort pour la militaire ligne obligatoirement pour trouver responsable de la KIDO. 3. Qui nous vous porte pour recevoir toute compétence, toute garçon, toute femme, jeune en particulier, pour jeter ses blesses et en masse de force pour nous vivre sa loi. 4. Qui décide en battant Pélé-Mouvaille, nous voulons. Dialogue patriotique, peuple à peuple, car il faut que notre collègue parti politique, toute notre force organisée, trouve une méthode bon cavalier qui nous veut égaler le choix chez nos amis. 5. Qui dit, après le film Maté Point, mon bataille qui garantit liberté publique, l'a toujours. Continuer à courir le monde la CIA. Mais qu'il doit concentrer plus de force dans le combat pour la vie mignon, ça veut dire lutter pour Haïti campé pour nous vivre bien ensemble. Reçoit votre prince Haïti, jour 24 mars 2018, là, pays en grand pouvoir, pouvoir. Pour servir comme peuple, qui veut se choisir la bataille peuple. Mais c'est ça, on va dire là. Comment le pays d'Haïti est capable de changer? Nous avons besoin là des personnalités qui sont dans tout secteur, dans tout horizon. Des gens, nous les connaissons. Qui parfois dans toutes les contradictions entre nous. Parfois nous devons observer qui sont à venir. Ça fait nous plus en plus plaisir. Nous avons tous mis à nous ensemble, chute à l'âme, pour accompagner nous dans la célébration de notre deuxième anniversaire. En plus, nous avons dit nous sommes espoirs pour nous. Et nous sommes dit la tout à l'heure, et Haïti. Changer. Changer, vivre dans le coin, dans le concept. Concept ça, qui est très cher, qui est sensible,
à ancien secrétaire général Kouka, ancien premier ministre Pierre Mbappé, qui toujours en bataille pour changer le monde, il n'est pas capable de réaliser. Est-ce que vous pensez comme ça? J'aime un groupe qui est ensemble, qui se fait un coup de secteur différent, qui est capable de mettre Haïti dans le changement à la démocratie. De la fusion, les cadres intermédiaires du parti, présenté cartel qui baptisé cartel de l'émergence de la jeunesse. Cartel de l'émergence de la jeunesse, nous parlons en termes de projet, nous pas parler en termes d'âge, mais c'est cartel, les revendications de la jeunesse du pays et en particulier les revendications de la jeunesse du parti qui éparpillé à travers les 14 régions que parti à présent. Deuxièmement, nous voulons informer la presse que parti fusion lit en mode de congrès. Étant donné que le mode de congrès est important pour que tout le monde connaît, opinion publique nationale et internationale connaît que nous participons à mode de congrès, il faut informer comme institution publique ce qui a passé là-dedans. Eh bien, nous-mêmes, nous décidons de présenter nous. Troisième élément, c'est dénoncer le comportement de monde qui ne comprennent pas le véritable rôle parti politique. C'est-à-dire que il y a des gens qui pensent que un parti politique, c'est un héritage en familial, côté que vous avez utilisé à des fins pour satisfaire des revendications familiales. Nous disons non. Nous disons, un parti politique sont bien publics liés. Des militants qui font des sacrifices, qui allaient dans le concours dans l'Université d'État d'Haïti, ils étudient, ils ont un diplôme dans les et puis, il y a des gens, c'est par favoritisme, ils arrivent à travers primature, sans concours. Que vous jouez, que vous financez étudiants, et puis je dis à la, vous prétendez que vous avez un diplôme. C'est comme si les gens qui forment dans l'Université d'État d'Haïti, vous pas important. C'est les gens qui forment à l'étranger qui est important. Nous condamnons ça. Nous condamnons l'attitude ça. Et ça fait que nous avons tout lancé appel à tout étudiant. J'ai fait dit. Coordonnateur d'Elma pour parti politique Haïti en action AAA. Je dis en son fierté pour nous, puisque yon parti qui était un parti régional, je dis en parti ça venir un parti national. Et pour, c'est ça que nous avons une opportunité pour que nous avons travail que nous avons fait dans la commune d'Elma pour parti politique Haïti en action. Et puis ensuite, je dis à la que nous avons gardé que, côté que nous invitons la presse, côté que nous avons officialisé coordination d'Elma, parti politique Haïti en action. Pour côté que pour nous dire tout ça que nous avons fait comme œuvre sociale dans la commune, égal, je dis, c'est parce qu'on fierté pour nous, de voir pour nous capables d'officialiser parti dans la commune d'Elma. Et ensuite, que, à, tout de suite, nous allons avoir une conférence que nous allons conférencier là ensemble avec nous. Côté que nous allons connaître dans quelques jours, c'est pour l'anniversaire de la Constitution, égal, qui va dire nous qui ça qui fait comme avantage et qui ça qui fait tout comme défaut. Pour la constitution pays. Après 31 années et anniversaire de la constitution, pour pouvoir garder pour côté nous. Et nous avons gardé pour nous notre pays, comment que ça y est pour la caille. Et nous avons gardé côté que nous y est. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, dans la coordination parti politique Haïti
AAA, nous révolter, lancer des bagailles pour nous demander qui ça que nous capables, comment nous capables, comment que nous capables de amélioration dans la constitution du pays. Fondé en 1995, 25-26 mars, dans le lycée Marie-Jeanne. Mais avant ça, vous voyez que c'est toute organisation qui a senti nécessité pour que vous ayez des outils, pour que vous mettez ensemble, pour que vous soyez capable de changer le pays. Et pour son organisation de masse, c'est une organisation tendance, nous, c'est de gauche socialiste. Et pour et nous passer nous en un pays a, ça nous fait 1995 pour obtenir des élus parlement, nous obtenir députés dans le parlement, par exemple Emmanuel Mano Chalmay dans l'élection 95 ensemble avec député Jacques Gasson, député nord-ouest, et c'est un député qui était campé contre plan néolibéral là, et c'est ça que fait nous mêmes nous dire que nous c'est yon parti de gauche socialiste, nous croyons ces masses là pour nous battre, pour nous changer. Et après ça, nous faisons bon parcours pour aller dans l'élection. Nous, en dans coalition CFD, CNTD, et je ne veux dire, vous retrouvez propre dans Libération. C'est un membre fondateur Libération et c'est un membre fondateur Mopod. C'est-à-dire que nous-mêmes, ça nous croyons un changement véritable, un vrai changement. Et si nous avons autant de sujets que l'agronome dans ce traité, que nous ne pouvons pas vaciller. Et nous croyons un bagaille, même lorsque la route est difficile, mais nous voulons lire. Lire, nous, c'est changement. Pour là, c'est un gros parti que lié. C'est un grand parti qui a eu invitation au président Castro pour aller à Cuba. Ce n'est pas n'importe bagaille, ça y est. Deuxième bagaille, n'a pas rappelé, c'est à faire conférence nationale souveraine. Et gain un président en Afrique, monsieur, là, il mettait à faire conférence là, pas de travail, je vais nous là. Nous-mêmes, nous plus mal que j'en ai lui-même. Et là, monsieur prend conscience de nécessité conférence nationale souveraine. Non? Monsieur joint une négociation que vous faites avec lui et lui d'accord pour mettre mandat en question, permettre que la conférence nationale la fête et selon le résultat qu'a sorti dans la conférence nationale là, laisse ça et à connaître qui orientation à bail pays. La grande majorité a sorti dans le silence pour renouveler une autre fois encore appui à confiance li, dans l'administration Moïse Lafontaine. On en a profité dénoncer à toute force non, toute campagne de stabilisation à diffamation politique qui a fait dans les jours de manière pour capoter l'administration Moïse Lafontaine. Parce que l'homme considéré bataille administration Moïse Lafontaine a mené pour rétablir dans l'administration publique là à travers le retention campagne pour frapper chaque zombie, gérer les ressources de l'État dans de bonnes conditions, par institution de Jarret pour jouer le rôle comme ça doit. L'homme considéré courage administration Moïse Lafontaine tombé face à ma femme d'attente routière à millions. Nous là, pour qu'il mette route là. Maintenant, deux, frère nous, la PHTK. Bail, gouvernement en temps pour le travail. Prends patience, parce que côté nous sortir plus loin, parce que nous allons aller. Frère nous affrontons à toute équipe gouvernement, à renouveler tout appui à gouvernement, nous affrontons. Parce que nous croyons que c'est seule la stabilité que nous sommes capables de jouer, développement de la société. C'est seule stabilité que nous sommes capables de battre nous, progrès nous besoin. Après 200 ans sous l'épique, nous avons le temps,
nous le luttons pour cette stabilité qui est liée, pour cette paix qui est liée. Vive Haïti, vive stabilité. Vive président Jovenel Moïse pour 5 ans. Se lit actuellement sur les visages de tous les frères maçons de la respectable loge La Terre Promise numéro 57, au lien de Petite Rivière de l'Artibonite. La visite du sérénissime grand maître Yves Benoît Jean-Marie, accompagné des respectables frères de son conseil, s'inscrit dans le cadre de la mission du pasteur et nous, ici présents, à La Terre Promise numéro 57, au rien de la petite rivière de l'Artibonite, nous puisons à la source de cette franc-maçonnerie pour proclamer à la face du monde entier, nous avons dans nos rangs des hommes dévoués et décidés pour porter au plus haut niveau le prestige de notre noble et fière institution maçonnique. Ils sont disséminés partout dans ce pays et travaillant humblement les matériaux. Ils font de l'expérience et se mettront au service de l'institution et du pays le moment requis. Le respect des principes et la garde farouche de nos valeurs suscitent encore l'admiration de ceux qui nous regardent avancer. Oui, avancer est bien le mot, car la franc-maçonnerie n'a été, n'est et ne sera jamais statique. Elle anticipe le temps, préparant pour l'homme le moment venu, la réponse adéquate à toutes les difficultés qui se présentent. Oui, bien-aimés frères, nous devons avancer, laissant derrière nous le chemin parcouru et nous motivant l'un l'autre pour atteindre de nouvelles dimensions susceptibles de nous rapprocher le plus près du but de la franc-maçonnerie. Rassembler n'est pas un combat ni une lutte. Elle est pour nous un terrain d'expérience et nous avons rempli la mission qui nous est impartie. Une mission, cela s'exécute. Nous sommes devenus francs-maçons par la volonté toute puissante du grand architecte de l'univers, celui qui était, qui est et qui sera toujours Père Fass. Être néfaste, nous devons nous soumettre aux principes qui nous régissent afin d'avoir une franc-maçonnerie plus forte, plus dynamique. Que l'harmonie pour le succès de notre mission, bien-aimés frères, règne donc toujours parmi nous. Sérénissime grand maître du Grand Orient d'Haïti, 2124,
Yves Benoît Jean-Marie, vous voyez toute une assemblée content de vous voir, et même pour certains, content de vous revoir. Votre visite de ce jour nous réconforte davantage dans notre volonté de travailler. Ces vœux s'étendent aussi à tous les distingués membres de votre conseil. Sérénissime grand maître et vous distingués membres de son conseil, vous êtes ici chez vous. Jouissez pleinement de notre hospitalité proverbiale. Bienvenue à vous, sérénissime grand maître du Grand Orient d'Haïti 2124, Yves Benoît Jean-Marie, et à tous les distingués membres de votre conseil. Sérénissime grand maître, nous pensons avoir utilisé trop notre verbe. Des frères sont dans l'attente de vos paroles et pour étancher leur soif, je vous remets pur et sans tache le maire de la respectable loge, la terre promise numéro 57, Orient de la petite rivière de l'Artibonite, pour la poursuite des travaux du jour. Mes frères, debout. Sérénissime grand maître Yves Benoît Jean-Marie, je vous remets le maillet pur et sans tache de la respectable loge à terre pour M. 57, Orient de la petite rivière de l'Artibonite, pour la poursuite des travaux du jour. Et depuis 2012, bien-aimés frères, vous êtes conscients des sacrifices, des multiples sacrifices que nous sommes en train de faire pour maintenir la paix et l'harmonie au sein de l'obédience, de gérer les intérêts de cette loge. Ils ont fait leur temps. Ils ont passé le maillet à d'autres frères qui eux aussi ont fait leur temps. Et aujourd'hui, vénérable maître, c'est avec plaisir et avec honneur que je vous salue en vos grades, rangs, titres et qualités. Je suis certain, mes bien-aimés frères, que à travers les correspondances que vous recevez, à travers la participation active des différents vénérables et aussi aux différents convents qui ont eu lieu, ainsi qu'à la fête de l'ordre, je disais que je suis certain que vous avez vent ou encore vous avez écho de tout ce qui se passe au niveau du conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti 24, car nous avons pris la décision de faire les choses avec toute la transparence nécessaire et nous ne cachons rien. D'ailleurs, nous n'avons rien à cacher, car tous nos efforts sont toujours dirigés vers le progrès, vers l'amélioration de notre obédience. Nous sommes condamnés au travail, nous portons un tablier, nous portons quotidiennement un symbole de travail. Donc nous toujours au travail. Mais nous ne pouvons pas toujours travailler et puis le travail n'a pas qu'à porter nos fruits. Donc c'est pour nous garder ce tablier, c'est pas l'inverse ou non. C'est pour nous chercher conditions pour nous, pour qui ça travail n'a pas qu'à porter fruits. Mes frères, comme je vous le dis, c'est mon cœur qui vous a parlé. Et je suis sûr que vous m'avez compris votre devoir à notre place. Merci.